Cascada Café Retiro à Popayán en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. Je suis née dans une famille traditionnelle canadienne-ukrainienne, très forte à Montréal, Québec, au Canada. Le principal but extérieur de mon père était de maintenir vivante la langue et les traditions ukrainiennes, car l'Ukraine était sous occupation soviétique et les Ukrainiens vivant en Ukraine ne pouvaient parler que le russe. C'est la raison pour laquelle nous ne parlions que l'ukrainien à la maison, et je ne parlais que l'ukrainien pendant les 6 premières années de ma vie. Une fois que j'ai commencé l'école primaire, j'ai appris le français, puis l'anglais au lycée et finalement, j'ai commencé à apprendre l'espagnol à 53 ans quand j'ai réalisé que je devais quitter le Canada. La pyramide d'oreilles est l'ensemble de 3 oreilles que vous voyez sur ces photos et mon travail de broderie appelé Peshoka. Cela m'a pris des années. Ma grand-mère Mélanie m'a appris comment faire ce travail. Mélania a créé près d'une centaine de ses oreillers au cours de sa vie et les membres de la famille les ont tous. La plupart des enfants ukrainiens de la diaspora sont allés à l'école ukrainienne du samedi matin et au PLAST, les scouts ukrainiens, le samedi après-midi. J'ai dû épouser un Ukrainien afin de maintenir la langue et la tradition ukrainienne avec mes enfants. Voici une photo de mes deux enfants, Luba et Grigori, en costume traditionnel ukrainien occidentaux. J'ai reçu ce lien de vidéo sur l'Ukraine de ma mère. J'étais tellement émue que j'ai décidé d'en partager des parties dans cette vidéo. Avec 603 700 km², l'Ukraine est le plus grand pays situé entièrement en Europe. 5,7% de la zone européenne. L'Ukraine est connue comme la corbeille à pain de l'Europe. Un quart du sol noir, le plus riche du monde, se trouve en Ukraine. L'Ukraine compte 46 millions d'habitants et 20 millions d'Ukrainiens, dont je fais partie, viennent en dehors de l'Ukraine. Après les crimes communistes, Holodomor et la Seconde Guerre mondiale, le nombre total d'Ukrainiens a été réduit de 45%. Au cours des 10e et 11e siècles, l'Ukraine était l'État le plus grand et le plus puissant d'Europe. L'Ukraine n'a jamais été la Russie médiévale ou l'Ukraine moderne et la Russie moderne ou l'ancienne Moscovie ont toujours été deux États différents. Les Ukrainiens ont été les premiers à commencer à répandre le christianisme dans toute l'Europe de l'Est au 10e siècle. La capitale ukrainienne, Kiev, a été l'un des principaux centres chrétiens de l'Europe médiévale pendant plus de 3 siècles. Les Cossacks ukrainiens étaient une force militaire européenne importante pour la défense des frontières européennes. La culture ukrainienne est célèbre pour ses églises, monastères et cathédrales avec leur architecture et leur modèle unique. Les danseurs ukrainiens sont bien connus pour leur talent partout dans le monde et les costumes traditionnels ukrainiens sont colorés et uniques dans chaque région d'Ukraine avec la broderie Veshoka. La tradition de la décoration des œufs de Pâques en Ukraine remonte à plus de 1000 ans. La célèbre chanson de Noël, Chant joyeux des cloches, est en fait la chanson folklorique ukrainienne Shchedrik, écrite par le compositeur Mykola Lientovich. Bandura est un instrument de musique nationale ukrainien et a une histoire de plus de 600 ans. Ihor Sikorski, 1889, d'Ukraine, était le célèbre concepteur du premier hélicoptère pratique. Les Ukrainiens ont inventé un avion avec la plus grande capacité de transport de fret au monde, LAN
225 MRIA. Selon des évaluateurs internationaux, l'Ukraine produit la meilleure vodka du monde connue sous le nom de Horilka. Les plats nationaux ukrainiens les plus célèbres sont borscht et vareniki. Vishuka, la broderie du point de croix ukrainienne, est une forme d'art incroyablement belle, transmise de génération en génération. J'ai fait en sorte d'expédier mon travail personnel du Canada en Colombie. Aujourd'hui, je suis conscient que toutes les étiquettes telles que nationalité, religion, race, ne servent qu'à séparer l'humanité. En réalité, nous sommes tous un. Dans ce temps incroyablement volatile, où le vieux monde meurt pour faire la place au nouveau monde émergent, l'humanité est dans un état de grave souffrance. C'est une période de grande confusion, car nous sommes entre deux mondes. La vieille illusion est en train de mourir, et cela permettra à la vérité d'émerger, mais ce n'est pas une transition facile. L'humanité sera bientôt prête à vivre la transformation. Ce n'est pas une simple amélioration. Nous, en tant qu'espèce, vivons maintenant consciemment cette transformation et nous mutons vers un être complètement nouveau. Cette expérience humaine tire à sa fin et un être transformé émerge. Voulez-vous me joindre dans cette aventure? Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes vraiment, au-delà des étiquettes, puis comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement maintenant. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », partager ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Je souhaite participer à une création de petite communauté autonome. J'ai été béni avec du temps et j'ai créé cette nouvelle vie, en dehors du système de contrôle totalitaire. Je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire, mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Si vous avez des suggestions, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Les terres agricoles sont un investissement judicieux et toujours très économique dans ces pays. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 120 USD par semaine, 420 USD par mois. Cours d'espagnol. Atelier Conscience de la Vérité, Cascada Café Retiro, en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité jusqu'à 75% d'économie en Colombie et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.